Au lendemain de l'attentat suicide à Ansbach, en Allemagne, l'État islamique affirme que le réfugié syrien qui s'est fait exploser était l'un de ses soldats. Dans une vidéo retrouvée sur son téléphone portable, il avait fait allégeance à Daesh. Âgé de 27 ans, il souffrait de troubles psychiatriques et était en instance d'expulsion vers la Bulgarie, après le rejet de sa demande d'asile il y a un an. Selon le ministère de l'Intérieur de Bavière, il avait l'intention d'empêcher la tenue du festival de musique, auquel participaient plus de 2500 personnes dans la ville. Faute de ticket d'entrée, il a dû faire demi-tour. La bombe a explosé peu après devant un restaurant faisant 15 blessés. Les attaques mettant en cause des demandeurs d'asile s'accumulent en Allemagne, ce qui pourrait redonner de l'ardeur aux opposants à la politique d'ouverture de la chancelière à l'égard des réfugiés.